Hey, salut les pilotes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Alors, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, je sais, mais c'est méga important, à t'abonner et activer la petite clochette, histoire de me soutenir pour faire des vidéos avec vous. Pareil pour Facebook et Instagram, on peut me suivre un petit peu pour voir ce que je fais la semaine, le week-end, c'est toujours sympathique. Allez, bref, assez blablaté, donc on passe au tuto. Donc, un tuto qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Et j'attendais vraiment d'avoir l'opportunité sur un des miens pour pouvoir le faire avec un baquet neuf. Donc là, c'est l'occasion de le faire puisque le Rotax que je suis en train de mettre en place pour pouvoir faire découvrir la discipline, puisque ça aussi, c'est une demande qu'on me fait assez régulièrement. Donc si je n'ai pas une carte à mettre en location avec mon assistance pour pouvoir découvrir la discipline, etc., etc., donc, c'est le moment justement de faire la vidéo tuto du baquet. Donc, le voici, le voilà, le baquet de chez A3PI, mon partenaire, donc, que je remercie vraiment, avec qui je bosse pour les baquets qui sont de super bonne qualité. Donc, du coup, là, on va voir comment faire pour bien installer un baquet de façon standard. Alors, je préfère le préciser parce qu'il y a, il y a toujours des gens pour dire quelque chose. Ce que je fais et ce que je propose en vidéo, on est sur un type de vidéo qui est plus pour aider les débutants et ceux qui ne savent pas trop s'en sortir, d'accord? Je ne suis pas là non plus pour dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, parce que déjà ça ne va pas à tout le monde. Donc là, on va faire une installation de baquet avec des cotes standards. À savoir qu'il y a des cotes constructeurs. Donc si vous avez un Tony, si vous avez un Sodi, si vous avez peu importe, rapprochez-vous donc de votre revendeur en France pour connaître les cotes qui sont adéquates au châssis. On va rassembler donc le matos qu'on a besoin. Donc pour ça, pas besoin non plus d'énormément de matos. Il vous faut une perceuse avec un foret, clé de 13, BTR. Après, il vous faut les rondelles coniques, les vis BTR coniques, enfin tout ce que vous pouvez trouver pour installer un baquet. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites marchands donc de pièces pour les kartings. Maintenant, au fur et à mesure du tuto, vous allez voir ce dont on a besoin pour le baquet et je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc alors, première étape, avant de sélectionner son baquet, il faut d'abord connaître la taille. Donc pour la taille, c'est très simple, c'est pas évident à faire tout seul, pour le mieux c'est d'être deux, mais il faut la mesure ici à peu près, donc de l'écartement de la hanche jusqu'à l'autre hanche, d'accord? Donc là, on est à peu près à 33 environ. Hein. Attention, le mieux après, c'est de s'installer donc dans un baquet pour voir un petit peu comment on est dedans et de mesurer donc l'écartement au plus étroit. Donc l'écartement au plus étroit se trouve ici. Voilà. Donc là, on est à 32,5. Donc moi, je fais 33, 32,5. Vous voyez, finalement. Voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, c'est bien de se rapprocher d'une piste ou de quelqu'un qui a un cadre. Vous essayez. Si vous voyez qu'il y a un chouï trop petit, donc vous prenez la mesure et vous en déduisez que forcément, il vous en faudra. Hein, j'arrive plus à parler maintenant. Il vous en faudra un, donc plus grand et vice-versa. Hein. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps, à essayer plusieurs baquets. N'hésitez pas à demander aussi au pilote, même si vous ne les connaissez pas, voilà, hein, les gens ne mordent pas hein, en général, hein, vous faites ça de façon gentiment, il n'y a aucun problème normalement à ce qu'ils vous laissent monter dans le car pour voir un petit peu la taille du baquet. Ensuite, sur l'installation du baquet, on va voir un petit peu les petites choses à faire et à ne pas faire, parce que je vois pas mal d'erreurs malheureusement. Je rassemble tout ce qu'il faut et on y va. Donc, pour installer un baquet, moi je vous conseille vraiment de dépouiller au maximum donc le kart. C'est bien de le faire sans moteur, sans les pontons. Voilà. Moi, j'enlève même le pare-choc arrière, histoire d'être vraiment à l'aise autour du baquet, parce que c'est vraiment une pièce très importante sur le châssis. C'est bien de correctement l'installer, puisque vraiment, c'est ce qui nous donne le confort, vraiment, du kart. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps. C'est vraiment très important et j'insiste là-dessus. Donc, on enlève.
le répète, n'hésitez pas à retirer plusieurs éléments pour être vraiment à l'aise pour l'installation du baquet. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, si vous faites un simple remplacement de baquet parce que le vôtre est abîmé et que vous reprenez la même taille, bon là, il n'y a pas besoin de s'emmerder. En général, on démonte, on remonte. Là, il y a l'écartement qui est différent du baquet que j'ai. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on prend déjà la mesure pour voir de combien il faut qu'on écarte ou qu'on rétrécisse. Donc, l'écartement au niveau des barres ici. Donc là, j'ai 33,5. Et sur le baquet, derrière, environ 31-32, voilà. Donc déjà, on voit qu'il y a à peu près 1 cm. Donc pour le vérifier et surtout le confirmer, on peut déjà présenter le baquet. Donc effectivement, voilà. Bon, alors avant de plier, ce qui est bien de faire, c'est de chauffer un petit peu ici, à ce niveau-là, pour aider le tube à se plier un petit peu. C'est mieux de le faire en décapeur thermique. Le problème, c'est que le mien ne marche plus, donc je vais le faire au flambard. Alors je vais faire doucement parce qu'il y a les durites pas loin et je vais y aller progressivement histoire de chauffer un petit peu pour pouvoir le plier. Voilà, maintenant que c'est bien chaud, on va pouvoir le plier. Donc moi j'utilise un vieux t-shirt que je viens mettre ici donc pour protéger la peinture du tube en bas et je viens donc le remettre par-dessus pour protéger la peinture du tube ici. Et donc tout simplement on vient plier le tube doucement, doucement. Alors c'est bien de le faire à deux aussi, et quand on est tout seul, on a trouvé le coup. Voilà. Donc là j'arrête, vaut mieux y aller en plusieurs fois, et là on va prendre la mesure. Donc tout à l'heure on avait 33,5, et bien là on a 32. Alors on avait dit que le baquet il faisait 31-32, donc là ce qu'on peut faire c'est déjà le représenter. Là, on peut s'apercevoir que il manque un tout petit peu parce qu'en fait, les pattes touchent que en haut. Donc, il faudrait redresser les pattes que en haut et rapprocher encore un petit peu. Donc, je vais le tordre encore un tout petit peu et je redresserai les pattes après. Voilà, donc là on a 31,5, donc j'ai gagné encore 0,5. Là je pense que ça va le faire, on va simplement retordre les pattes à ce niveau-là, donc plus vers l'extérieur, parce qu'en fait le baquet ne touche qu'ici et pas là. Donc l'idéal c'est d'avoir la patte qui est vraiment parallèle au baquet, histoire d'éviter d'abîmer le baquet par la suite. Donc là je vais présenter le baquet pour voir un petit peu comment ça rend. Donc là effectivement il faut l'aider un petit peu pour rentrer. Donc là de ce côté la pâte un tout petit peu en haut et là effectivement il faudra la tordre un tout petit peu donc vers l'extérieur, juste le haut ici comme ça, tac, pour que ça puisse épouser parfaitement la forme du baquet. C'est vraiment important pour éviter qu'après il se casse, il se fissure, etc. Bon ok, on va faire ça et puis après on va installer donc ce qu'il faut en dessous pour ne pas aller trop bas. Ensuite, moi ce que j'utilise du coup pour installer le baquet, c'est un vieux niveau. Donc celui-là il est tombé par terre 25 fois, donc il sert à bricoler, plus à faire du niveau. Hein. Bon bref. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis deux riselants comme ça. Je fais glisser le niveau comme ça, hop. Dans le deuxième riselant, là on peut s'apercevoir qu'on est quasi au milieu du baquet. Je viens resserrer comme il faut les riselants des deux côtés. Voilà, donc là on est au milieu. Voilà. Voilà, là ça bouge pas. Ensuite, alors il y en a qui utilisent pas de couronne, d'autres qu'une seule couronne. Moi j'aime bien en mettre deux.
puisque de toute façon ce kart va être destiné à être piloté par un peu tout le monde. Donc moi j'en mets deux, comme ça moi je suis sûr. À savoir que là, ce niveau là, c'est le même niveau que dessous le tube. On n'est pas plus bas, hein, évidemment, puisque le niveau est au même niveau que le tube, que le châssis, je veux dire. En mettant deux couronnes, du coup, on est un petit peu plus haut. Donc, on est un petit peu plus haut de 1 cm. Voilà, on est 1 cm au-dessus. À savoir que quand on s'assoit dans le baquet s'affaisse un peu. Hein, puisque le baquet est un petit peu, plus souple que ce qu'on pense. Vu qu'on met tout notre poids dedans, eh ben, il s'affaisse un petit peu. Donc, du coup, on doit être à 0,5 finalement de la hauteur du tube. Bon, bref. Du coup, je vais riselanter. Il y en a un qui a dit ça l'autre fois, ça m'a fait rire. Je dis tiens, je vais le ressortir. Et bien, je vais riselanter du coup les couronnes pour plus qu'elles bougent. Je vais plutôt passer par en dessous, comme ça au moins j'aurai pas la fixe dessous. Voilà. Voilà, hop. Et ensuite, je mets de l'autre côté histoire que ça bouge pas. Voilà. Bon, voilà, j'ai présenté le baquet. Donc, le baquet est bien, du coup, en appui sur, sur le petit outil maison avec les couronnes. Donc là, OK. Avant de percer quoi que ce soit, il faut prendre donc des mesures. Pour information, moi je fais 1m74 environ. Et j'utilise toujours les mêmes cotes de baquet, plus ou moins, selon le châssis. Mais dans l'ensemble, je reste sur du standard et ça va très très bien. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que d'un côté, j'ai 64 et de l'autre côté, 63,5. Pourquoi ? Parce que le baquet est toujours légèrement décalé. Puisque vous regarderez sur un kart, si vous vous mettez derrière comme ça, vous verrez que le baquet n'est pas pile dans l'axe du kart, tout simplement parce qu'il y a le moteur sur le côté, donc ils ont légèrement à la conception décalé le baquet. Donc on décale très légèrement le baquet, bon je grossis le truc, mais très légèrement le baquet comme ça, pour que l'on se sente ben, pas comme ça, mais plutôt à l'aise en étant face avec le volant, enfin bon, vous m'avez compris. Ouais. Donc du coup, les points de mesure ici. Et ici, au niveau du cintre avant, volant droit, et vous prenez le même repère. Donc là, j'ai 61,5, donc là, le baquet est trop en avant, donc je le recule. Donc, je tapote dessus, je regarde que le fond plat est bien, bien à plat. Ok. Et on fait ainsi jusqu'à trouver la mesure qu'on a besoin. Donc c'est pareil, on reprend toujours le même repère pour ensuite mesurer. Donc là, j'ai 64 et il me faut donc 1,5 cm de plus de ce côté. De moins, pardon, puisque le... Non, de plus, oui, autant pour moi. Autant pour moi. Donc là, j'ai aussi 64. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que là, le baquet... Et dans l'axe, nous on veut qu'il soit légèrement comme ça, donc il faut très légèrement pousser le baquet, là je pense que c'est un peu trop, voilà, histoire de ne pas bouger de ce côté, on remesure, là j'ai un petit peu trop poussé, donc là on vient tapoter très légèrement là, voilà, et on remesure jusqu'à arriver à la côte qu'on a besoin. Ensuite, vous avez une deuxième côte. Donc la deuxième côte se fait ici, au niveau du haut du baquet. Donc on se pose sur l'axe. Et là, moi, j'ai 22. Alors à savoir que cette valeur-là peut varier. Donc du coup, plus on baisse le baquet, plus on sera un peu couché. Donc on baisse le centre de gravité. Mais après, voilà, moi, j'aime pas être trop couché et trop en avant non plus. Donc disons que 22, en général... c'est une valeur plus ou moins standard, 21, 22, voilà, à peu près. Hein. Toujours pareil, donc n'hésitez pas à monter dans des cartes où il y a des baquets déjà installés pour vous faire une idée. Et si vous trouvez que la position vous convient, vous mesurez un petit peu et puis vous le reportez après sur votre carte.
Mais disons que là, 22, donc j'ai 22, ouais, 22, sachant que ce ne sera pas moi le pilote principal de cette machine, ce sera un petit peu Monsieur Tout le Monde. Je pense que je ne vais pas trop le coucher, je vais plutôt le relever un tout petit peu d'un centimètre, parce que souvent, ceux qui ne connaissent pas trop la discipline me disent, ouais, c'est vrai qu'on est vachement en arrière. Donc du coup, là, je pense que je vais mettre 23. Donc là, ce qu'il faut faire, pour que je me le mette dans la poche, c'est légèrement taper le baquet à droite et à gauche. Voilà. On reprend la mesure. Alors, c'est vraiment important. Voilà. Donc là, j'ai 22,8. C'est bon, on est à 23. C'est vraiment important de prendre son temps sur les mesures avant de percer. Il faut revérifier, vérifier, revérifier avant de percer, histoire d'avoir un baquet super bien installé et surtout d'être à l'aise sur sa machine. Autre point de mesure que vous pouvez faire, c'est de l'axe ici jusqu'en haut du baquet. Vous devez avoir une différence de 1, 2, 3 cm vraiment maximum. Donc on prend un point de repère et on prend exactement le même de l'autre côté jusqu'en haut du baquet. Donc là, en haut du baquet, je suis à 105. Donc de l'autre côté, je dois avoir 106, 106,5 environ. Et de l'autre côté, j'ai 107. Bon, ça me fait 2 cm. Donc vous voyez, finalement, on retombe sur les mesures que j'avais dit. Donc on reprend les mesures du départ pour voir si rien n'a trop bougé. Donc là, moi, j'ai 63,5. Et là, j'ai 64. Donc, on a bien un demi centimètre du coup du baquet qui est comme ça. Donc, c'est tout à fait normal, comme je le disais au début. Ensuite, là, du coup, mon baquet est redescendu légèrement. Donc, on prend son temps. Hein. Bien que le baquet soit au fond. Hop, voilà, comme ça. Donc là, j'ai mes 22,5 et on fait comme ça jusqu'à trouver vraiment toutes les côtes qu'on a besoin avant de percer. Bon voilà, ça y est, c'est le moment fatidique. Donc maintenant, on s'équipe de ce qu'il faut. Lidl Performance, t'as vu, c'est le top. Bon, bref, on s'en fout. On vérifie que le baquet soit bien en appui donc sur l'outil maison et on peut percer. Donc on utilise la mèche adéquate, bien évidemment, hein, 8 mm. Voilà, ce qu'on peut faire. C'est que pour éviter qu'il bouge, on peut déjà mettre... et son écrou, on verra comment finir d'installer tout à l'heure et on va percer l'autre côté. Voilà. Ensuite, donc moi ce que je vous conseille, bon bah du coup c'est les BTR coniques avec les rondelles coniques. Donc ça c'est mon ami Geoffroy qui les fait en impression 3D, donc je le remercie. Et les rondelles sécurites, donc les rondelles sécurites, ça sert donc à sécuriser, merci le train, c'est gentil. Donc à sécuriser le baquet au niveau du point de fixation. Donc ça va entre le tube et le baquet. Donc c'est un petit peu chiant, mais il faut la glisser entre les deux. Voilà. Plus facile à dire qu'à faire. Bon voilà, putain, il m'a cassé les couilles celui-là. Bon bref, c'est pas grave. Désolé de ma vulgarité. Alors, on arrive de l'autre côté. Donc j'avais mis la vis pour éviter que le baquet bouge. Donc là c'est pareil, on enlève et on vient mettre la rondelle sécurite où il faut. Voilà. Hop. Voilà. Bon alors, donc ça on voit que le baquet est bien en appui comme il faut sur le fond.
on va mettre donc les écrous freins. Donc moi je vous conseille les petits écrous freins neufs, bien évidemment, puisque la partie bleue est du plastique, et quand le plastique est déjà donc emprunté, si on peut dire ça comme ça, le frein, donc c'est le plastique, ne fait plus vraiment son efficacité que quand il est neuf, hein. Donc rondelle et écrou frein, il n'y a plus qu'à serrer. J'ai enlevé la caméra du trépied histoire de vous montrer plus précisément. Donc là c'est bon, au niveau d'en haut c'est ok, on va pouvoir s'occuper du percement en bas. Donc là, donc du coup, on utilise pour caler le baquet des entretoises de différents diamètres et de différentes matières. Moi, j'utilise celles de mon ami Geoffroy en impression 3D qui sont hyper costauds. Vous les avez en aluminium aussi. Et là, c'est pareil, il faut des rondelles sécurites histoire de protéger le baquet. Avant de percer, hein, parce que souvent, j'en vois que les baquets sont abîmés. Pourquoi ? Parce que les pattes là doivent être parallèles au baquet. Hein. Bien souvent, je vois les pattes qui sont trop vers le bas. Donc forcément, c'est pas parallèle au baquet. Donc forcément, les entretoises ne reposent pas comme il faut sur la patte. Ça tord le baquet se... Enfin bon, bref. Parfois, c'est simplement de la logique. Donc du coup, moi, je n'ai pas besoin de le faire puisque je vois que c'est nickel. C'est bien parallèle au baquet. Donc c'est bon, les entretoises vont reposer comme il faut là et reposer comme il faut sur le baquet. Par contre, si pour vous, ce n'est pas le cas, je vous montre. Vous prenez une clé à molette, comme ça, que vous venez mettre ici. Et, bon là je ne vais pas le faire, mais vous forcez pour tordre la patte dans la direction que vous avez besoin. Et pourquoi j'insiste? Parce que c'est vraiment important, beaucoup plus qu'en haut, ces pattes-là, qu'elles soient vraiment parallèles au baquet. Là, le baquet, il est bien en appui, donc ici. Et quand vous allez monter dedans, vraiment, les entretoises seront bien en appui sur la patte et sur le baquet. C'est vraiment important de faire cette opération-là. Bon, là, on va passer donc du coup au perçage. Alors, avant de percer, moi, je vous conseille vraiment de prendre votre temps parce que là, c'est le perçage le plus délicat à faire. Il faut qu'on soit bien dans l'axe, dans cette direction et dans cette direction parce qu'on peut percer un peu de travers comme ça et un peu de travers comme ça. Donc, du coup, il faut vraiment prendre son temps. On présente déjà la perceuse comme ça. Donc du coup, vous voyez, si je perce comme ça, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment être droit, mettre droit comme ça aussi, de droite à gauche. Donc il faut vraiment prendre son temps, vérifier, regarder, se mettre en dessous pour vérifier l'axe, prendre des points d'appui, etc. etc. Donc il faut vraiment prendre son temps. Et une fois que vous avez trouvé, donc là, je vois que la mèche, je ne l'ai pas assez sortie. Donc là, je vais la sortir un peu plus. Voilà. Donc là, je présente. Je regarde qu'on est bien droit. Là, non. Ok. Ok. Quand on pense qu'on est bon, on peut déjà faire. Voilà. Là, on a déjà fait une petite marque en dessous du baquet. Donc, on sait que c'est là qu'il faudra percer. On revérifie. On prend son temps, encore une fois. C'est le perçage le plus délicat à faire. Donc là, c'est bon, je suis dans l'axe. Là, je suis dans l'axe. Voilà, c'est percé. Alors, c'est pas évident, mais il faut vraiment prendre son temps. Voilà, la fixation du bas est terminée. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'ai dû légèrement tordre celle-ci parce qu'elle n'était pas en fait parallèle à l'autre. Donc du coup, je l'ai légèrement tordue vers le bas. Et on peut s'apercevoir que là, c'est bien à plat sur le baquet et là, c'est bien à plat sur la patte. Pareil pour là-bas. Les deux pattes sont vraiment parallèles l'une à l'autre. On a les mêmes entretoises des deux côtés. Donc une grosse, une moyenne grosse, une fine et la rondelle sécurite. Là, c'est les mêmes. On sait déjà que là, le baquet n'est pas installé de travers. Là, c'est pareil, écrou frein neuf, rondelle neuve, enfin voilà, c'est bien d'installer des choses neuves, parce que là, vraiment, c'est la sécurité, on s'assoit dedans, hein, donc on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, donc là, c'est vraiment les quatre points de fixation qu'on a sur un karting, en haut et en bas. Rondelle sécurite, vous pouvez le voir ici, sur les quatre points, c'est vraiment très important, ça rigidifie un petit peu le baquet au niveau des points de fixation. Voilà. Ensuite, on peut installer donc des raidisseurs. Donc les raidisseurs, ce sont des pièces comme ceci qu'on vient mettre à ce niveau-là.
pour raidir donc le siège au niveau du haut. Ça dépend le baquet qu'on a choisi, c'est bien d'en mettre un de chaque côté. Et c'est bien de le faire quand tout est en place, histoire de voir que quand on installe le raidisseur par exemple de ce côté, eh bien, ça ne gêne pas au niveau de l'échappement, etc. Voilà, c'est bien de le faire une fois que le moteur est en place, ou du moins que tout est en place, pour voir si ça ne gêne pas quelque part. Donc moi, je vous conseille un de chaque côté pour commencer. Après, il y en a qui en mettent deux de chaque côté, trois, enfin bon, bref, voilà. Après, c'est moi, je vous conseille d'abord de commencer par un de chaque côté. Et vous voyez ce que ça donne. Si vous voulez en installer un autre, vous les installez. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, là, on est vraiment dans du réglage de type standard qui peut aller plus ou moins à tout le monde. C'était plus pour vous montrer un petit peu comment installer correctement un baquet, plus qu'autre chose. Donc voilà, là, on va pouvoir enlever donc l'outil maison. Le baquet est correctement fixé. Je vais donc avancer un petit peu sur le châssis. J'installerai donc les raidisseurs un peu plus tard. Voilà, les pilotes, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc moi, franchement, j'en peux plus. Il fait 3000 degrés. On est en plein été au mois d'août. Donc franchement, je suis en transe comme jamais. Donc du coup, je me languis que cette vidéo soit un petit peu terminée. L'installation du baquet, c'est parfaitement terminé. Donc du coup, là, il n'y a plus qu'à tout réinstaller pour qu'ensuite je mette les raidisseurs de chaque côté. Je voulais donc faire une petite précision avant qu'on commence à me dire oui, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Alors voilà, j'ai pas la science infuse, hein, comme on dit, mais à chaque fois que je fais quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour me dire qu'il faut faire comme ça, il faut faire autrement. Il y a d'autres méthodes, elles sont toutes bonnes à prendre. Moi, je vous ai montré comment je fonctionne avec très peu de moyens, hein, puisque bon, ben voilà, c'est souvent des personnes qui me contactent qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, et donc ben, il faut savoir se débrouiller avec ce qu'on a. Donc du coup, moi, je vous ai montré comment faire. Vous pouvez ensuite adapter comme vous le souhaitez votre installation de baquet. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo tuto vous aura plu. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un tuto. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, petite clochette, Insta, Facebook. Moi, je vous dis à très bientôt les amis, puisque bientôt, c'est une course pour moi. Je vais essayer de la filmer, même si j'aime pas filmer quand je fais la course. Mais je vais essayer de vous en faire une parce que ça fait un petit moment. Et puis moi, j'ai envie de faire aussi un peu des souvenirs. Allez les amis, à bientôt, bye bye.